amis, bien le bonjour. J'ai le plaisir cette semaine de vous retrouver sur le bel étang de Bellingon. L'étang de Bellingon, c'est un étang communal géré par la Fédération de pêche de la Charente-Maritime d'environ 2 hectares en eau avec une population très variée, donc tanches, carpes, vous avez beaucoup de cyprinidés, donc du carassin également aussi, vous avez près gardon, languilles, perche-soleil, bon, il y a vraiment de tout, c'est un étang communal on va dire. Donc je suis arrivé la veille et j'ai eu le temps de faire un petit tour du plan d'eau et j'ai remarqué que dans cette anse qui est juste ici, c'est là où se situent le plus les poissons, avec pas mal de sauts en surface, des poissons situés entre 1 kg, 1,5 kg, et donc c'est ce que j'ai décidé de pêcher aujourd'hui. On va essayer de faire une pêche de rendement. J'ai pas pris la bourriche, chaque poisson pris sera remis à l'eau. Voilà, j'ai pas envie de m'embêter à mettre des poissons en bourriche aujourd'hui. Voilà, je vous expliquerai donc comme d'habitude au cours de la partie de pêche la ligne que j'ai utilisée et mon approche au niveau de l'amorce et tout ça. Allez, c'est parti, on va pêcher. Prendre un premier poisson, la pêche est compliquée avec le vent. Bon, une jolie plaquette. Et bien voilà la première petite carpette, un poisson exceptionnellement très très sombre. Ah, j'en ai rarement vu des carpettes si sombres que ça. Un très beau poisson pris au maïs sur le fond. Je suis passé sur un 2 grammes pour stabiliser l'èche davantage sur le fond et toujours avec un petit maïs. Et puis bingo bingo, une jolie carpe est venue me dire bonjour. Super. Carassin. Je viens de faire une jolie commune. J'ai pas vu le bouchon couler, j'ai juste vu l'élastique se tendre d'un coup. Donc je pense qu'elle l'a peut-être attrapé en descente. Et du coup le bouchon était dans l'alignement de la canne, du coup j'ai pas vu. Et bien je suis vraiment content. Une belle commune bien longue. Tac. Un poisson vraiment long. C'est chouette. Là franchement je suis content. Je pense que c'est un beau poisson pour le plan d'eau. Après toutes les petites que j'ai faites, là elle est vraiment taillée pour le combat celle-ci. Peut-être qu'il y a plus gros, j'en sais rien du tout. En tout cas on va essayer de continuer à faire des touches et de faire des beaux poissons.
carassin qui s'approche du kilo, je pense. Ah, c'est des poissons que j'aime beaucoup pêcher, que je pêchais beaucoup quand j'étais jeune. Et c'est des poissons qui sont faciles à pêcher et qui répondent super bien. Là, je suis toujours au maïs. Les poissons répondent bien depuis une grosse demi-heure maintenant. J'enchaîne les poissons. Les touches sont pas toujours faciles à voir avec les vagues. Mais sur les gros poissons comme ça, le bouchon il coule, il n'y a aucun souci. On doit être sur un poisson pas dégueu. Bon les amis, 15 minutes de combat pour... Je pensais pas qu'il y avait des poissons aussi gros ici. Allez, elle fait plus de 5 kilos facile. C'est vraiment une belle miroir. Je suis vraiment content. Ah, j'ai en 16 centièmes un hameçon de 14. Je suis allé doucement pour la travailler. Oh, je vous la montre, elle est vraiment belle. Ah, regardez ça. Ah, super. Ah, je suis vraiment content, magnifique miroir. En pleine forme, elle a un sacré bidou. J'avais dit 5, mais je pense qu'elle a un peu plus que ça. Je pense qu'on est plutôt pas loin des 6 kilos. C'est vraiment chouette, mon plus gros poisson de la journée. Je suis vraiment content. Bon, un autre petit poisson, mais un poisson très très abîmé. Là, il a dû se faire ferrer par un carpiste il y a quelques temps, et du coup la bouche est complètement déformée. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas ferrer fort quand vous faites votre poisson, les carpistes. Mais bon, un poisson sympa quand même, malgré la déformation au niveau de la bouche. Voilà, c'est bien battu.
Il y a quelque chose à... Super. Là c'est top. Voilà. Une belle miroir pris sur une boule de lessive mouillée. À peine posée, poum, elle me l'a engammée et quand je l'ai ferrée, elle est partie loin, loin, loin. Alors, ouais, j'ai eu du mal à la ramener, mais c'était vraiment sympa, un chouette combat. Une belle boule. Bon les amis, il va être 18h. Ça va être l'heure pour moi de bientôt plier la canne. Je vais faire un petit bilan de cette session qui, ma foi, a commencé doucement avec beaucoup de brèmes, des petits carpeaux. On a fait quelques tanches également. Une pêche essentiellement au maïs. J'ai essayé le baby corn, ça n'a pas fonctionné du tout. Et en début d'après-midi, sous les coups de 13h, tout s'est accéléré. J'ai commencé à faire des beaux poissons, facilement voilà, à 1-2 kg. Et ensuite, voilà, j'ai enchaîné les deux gros poissons que vous avez vus, la première à 5 et l'autre, on regardera la VAR, mais je pense qu'elle est ouais, 6 ou 7 kg facile, je pense. Elle était vraiment grosse. C'est impressionnant. Je vous mettrai les photos sur Facebook ou Instagram, vous irez voir, mais ouais, le bide est vraiment gros. Voilà, et je fais tout au maïs sauf la grosse de 7 kg, la grosse miroir que je fais en en faisant une boule de pâte avec mes pelés que j'ai mouillé ce matin. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que hop, j'ai pris mes pelés comme ça, ils sont bien mouillés. En fait, j'ai fait une boule de pâte, voilà, vraiment tac, ça a fait qu'a fait une pâte assez dure. J'ai mis ça à l'hameçon sur la coupelle, c'est tombé dans l'eau et ça a été assez immédiat. Comme je mettais du pelé depuis ce matin, elles étaient habituées à en manger. Donc voilà comment j'ai fait la grosse miroir. Bon, en tout cas, je suis super content d'avoir découvert ce plan d'eau, donc l'étang de Béligon. L'étang de Béligon à Rochefort Hôpital, un plan d'eau de la Fédération, un plan d'eau communal. Et si vous voulez venir pêcher, il faudra que vous preniez votre carte de pêche. Mais je pense que c'est un étang qui a vraiment du potentiel. Si vous avez envie de commencer la pêche, si vous avez envie de pêcher du multi-espèce, et c'est vraiment un étang communal vraiment hyper sympa, honnêtement. Je pensais pas qu'il y avait d'ailleurs des beaux poissons comme ça, donc je suis agréablement surpris. Donc si vous êtes dans les parages, vous êtes dans le 17 et que vous savez pas où pêcher, je vous recommande vraiment de venir passer une journée ici. J'ai vraiment apprécié ma journée malgré le mauvais temps en fin d'après-midi. C'était vraiment chouette. En tout cas, mes poulets, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à souscrire, lâcher un gros like, partager si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, et j'ai créé un TikTok il n'y a pas longtemps où j'ai déjà mis quelques vidéos. Ça sera vraiment que du fun sur TikTok. Je pense que je vais faire des vidéos débiles, mais voilà, c'est pour s'amuser. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça me fait grave plaisir. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, c'était Valentin, salut !